Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre le problème de l'humosité de votre ordinateur. Si dans votre ordinateur, lorsque vous diminuez ou lorsque vous augmentez la luminosité, vous ne remarquez aucun changement sur l'écran d'affichage de votre ordinateur, cela est dû soit au problème de vos pilotes, soit à la carte graphique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes qui vous permettront de résoudre ce problème et d'avoir accès librement à votre ordinateur et de le manipuler comme vous le voulez. Donc ici, je vais vous montrer déjà la luminosité. Vous allez voir, lorsque vous faites ça de votre côté, ça ne change pas. De mon côté, ça change, ça fonctionne très bien parce que mes plots sont à jour et ma carte graphique fonctionne très bien. Donc si de votre côté ça ne fonctionne pas, donc je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir au niveau du logo de Windows ici et vous faites un clic droit dessus. Vous faites un clic droit dessus et là vous venez sur gestionnaire de périphérique. Vous venez sur gestionnaire de périphérique et vous cliquez dessus. Et là maintenant vous allez avoir cette page. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir au niveau de moniteur. Vous venez au niveau de moniteur de votre ordinateur, vous cliquez dessus et là vous allez voir ceci. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire un clic droit là, vous faites un clic droit dessus. Lorsque vous faites un clic droit dessus, vous verrez que de votre côté peut-être que l'appareil est désactivé. Vérifiez que ce n'est pas désactivé de votre côté. Donc de mon côté c'est activé. Donc vérifiez de votre côté que c'est la même chose que le mien. Si de votre côté c'est désactivé, donc cliquez sur activer et c'est fait. Donc si vous venez d'activer le plot maintenant, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur mettre à jour le plot. Mettre à jour le plot. Et là maintenant, vous cliquez sur parcourir mon poste de travail. Donc vous cliquez ici. Et là, vous cliquez également sur choisir parmi une liste de plots. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez recevoir ceci. Vous allez voir le plot précédent. Vous cliquez dessus. Et là, vous venez sur suivant. Donc là, nous allons patienter. Ici, le mise à jour est fait. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous fermez. Et là, vous allez vérifier si ça a fonctionné. Donc vous pouvez redémarrer votre ordinateur et vérifier si ça a fonctionné. Donc si ça ne marche pas, donc vous allez appliquer la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode marche pour la plupart des cas, ça marche pour la plupart des personnes. Donc ce que vous allez faire, vous allez refaire la même chose. Nous allons venir sur le logo, vous faites un clic droit, vous venez sur gestionnaire de périphérique. Et là maintenant, vous allez venir sur la carte graphique. Vous venez sur la carte graphique, faites un clic dessus. Et là, vous allez voir le plot. Qui est ici, c'est le plot UHD Graphics 600. Donc là maintenant, vous faites un clic droit et vous vérifiez de votre côté que ce n'est pas désactivé. Donc, vous vérifiez de votre côté que le plot n'est pas désactivé. De mon côté, mon plot n'est pas désactivé. Donc, je laisse ça. Et maintenant, ensuite, vous cliquez sur mettre à jour le plot. Et là maintenant, vous venez sur parcourir mon poste de travail. Vous cliquez sur suivant. Donc, c'est la même méthodologie. Et là maintenant, vous allez cliquer sur fermer. Parce qu'on nous a dit ici, les plots pour votre ordinateur sont déjà installés. Donc, c'est fait. Donc, nous allons fermer. Et lorsque vous finissez de faire ça maintenant, vous allez redémarrer votre ordinateur. Vous redémarrez votre ordinateur et le problème est résolu. Donc, si cette vidéo vous a plu d'une quelconque manière, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir mes prochains tutoriels qui peuvent vous aider.